Mince, j'ai oublié mon stylo. Je reviens tout de suite. Bah alors, qui vous êtes? Oh non! Je suis contente d'essayer le Power Yoga Taekwondo. Il paraît que c'est un très bon entraînement et qu'un tas de beaux garçons pratiquent cet art. Essayez de suivre, ne me faites pas honte. Le yoga, c'est fait pour trouver l'harmonie, on n'aura pas à se forcer. Bonjour, je suis Shirley. Je vous préviens, vous allez souffrir. Moi, je la sens pas du tout, cette séance de relaxation. Fini les commentaires, passons aux choses sérieuses. Tigre sauteur! Ours assis et pensif. Jeune bouc capricieux. On aurait peut-être dû commencer par un cours débutant, par prudence. Oh, je la trouve givrée, cette Shirley. Non. Personne ne m'a dit que c'était la journée porte ouverte au nul. Bonjour, Mandy. Qu'est-ce que tu fais là? T'es venue t'entraîner? Non, seulement prendre un bain aromatique aux huiles essentielles. Oh, prenez-en un aussi. C'est quoi ce pansement? Il y a un tatouage dessous. Moi, j'adore. C'est redevenu à la mode. Et d'ailleurs, on va célébrer ça au bord de la piscine samedi prochain. J'ai décidé d'organiser une petite fête. Et j'ai invité plein de gens super cool. Clover, tu peux venir avec Sam si tu veux. Oh, c'est vrai? Bien sûr, je trouve tellement touchant que vous osiez encore vous balader avec des tenues qu'on portait il y a 10 ans. Si vous êtes là, vous mettrez en valeur le goût des autres. Et moi, tu m'invites pas? Toi, Alex, hors de question. Tu as un look trop décalé, non? Tu ferais tâche. Moi, j'ai un look décalé? Bon, à samedi. Je vous laisse vous doucher. Bon, du calme. On va se détendre dans le sauna. De quel droit elle juge de ce qui est trop décalé ou pas avec la tenue qu'elle portait hier? J'ai jamais rien vu d'aussi moche, au secours, les années 70 reviennent. Non mais je rêve et quoi encore? Moi j'ai un look décalé. Je parie que si j'avais un tatouage, elle me supplierait d'y aller à sa stupide fête. Elle va voir ce qu'elle va voir. Et si je m'en faisais un, après tout, c'est pas une si mauvaise idée, qu'est-ce que vous en dites? Si, c'est une mauvaise idée. Un tatouage, ça s'enlève pas comme ça. Il est déréglé ce sauna, je trouve que c'est un petit peu trop chaud tout de même. Bonjour, mademoiselle. Désolé d'avoir interrompu cette conversation, mais je craignais que trop d'émotions ne vous donnent des vapeurs. Ouh, très drôle, à mourir de rire. On est en sueur, on n'a même pas eu le temps de se doucher. Ce sera pour plus tard. La situation est critique. Les représentants des plus grandes nations de la planète vont bientôt se retrouver en Russie pour tenter de garantir la paix dans le monde. Les pourparlers débuteront après un grand concert pour la paix. Et il se trouve qu'un chanteur du groupe vedette a disparu. Or, la fille du chef d'État russe est une grande fan de ce groupe. Mais s'il ne se produit pas, cela pourrait compromettre les négociations. Et quel est son nom, Jerry? Il est très célèbre, c'est le boys band, les Teen Cycles. Teen Cycles? Oh, c'est pas vrai, je suis folle de ce groupe. Cette semaine, c'est notre boys band préféré. Lequel a été enlevé? Je crois me souvenir qu'il s'appelle Mickey. Mickey, c'est le plus mignon, le plus sensible. Oh, l'histoire pour trois garçons qui s'agitent devant un micro. Je croyais que tu les adorais depuis quand t'es plus fan. Attention, je suis fan, mais pas des boys band récents. Je préfère de loin les premiers du genre, ceux de l'époque où être boys band voulait dire quelque chose. Comme les boys candy. J'ai même toujours des photos de sur moi, regardez. Oh, lui, c'est Yvonne, le chanteur. Ah, qu'il est craquant, moi j'adore. Minable comparé aux Teen Cycles. Quand est-ce qu'on les rencontre? Je vais absolument leur dire que je suis leur plus grande fan. Clover, n'oublie pas que c'est une mission, du calme. Peut-être vaudrait-il mieux confier l'affaire à une autre équipe du groupe. Quoi? Pas question, on est d'être sages. Dites-nous, Jerry. Bon, d'accord. Je vous fais confiance. Vous vous ferez passer pour les présidentes du fan club des Teen Cycles. Voilà qui vous permettra d'approcher les deux membres restants du groupe. Et veillez sur eux pour le cas où le kidnappeur voudrait récidiver. La paix mondiale est en jeu, mesdemoiselles. Bien, faisons l'inventaire de vos gadgets. Montre scanner, rouge à lèvres laser, ceinture à câble bungee extensible et notre toute dernière invention, l'Afrodio, un casque stéréo haute définition qui se transformera encore de besoin en coupe afro anti-choc. Ah, les filles, je sens que cette mission va être super funky. Aujourd'hui, grande dédicace du nouvel album des Teen Cycles.
vous êtes la présidente de notre fan club. Absolument. Nous avons appris que Mickey avait été enlevé et nous avons pensé pouvoir vous être utile pendant la tournée. Et avant tout, vous devez avoir besoin d'être consolé. Sam, ta mission avant tout, tiens-toi. La disparition de Mickey nous a vraiment bouleversés. Il y a à peine un an, nous étions encore 3 orphelins perdus dans les rues et on mendiait pour manger. Oh, quelle tristesse, vous êtes orphelins. Oh non, c'est la version officielle. Une idée du département promo pour nous donner une image de rebelle. Nos parents sont super cool. L'expérience du boys band, ce n'est qu'un tremplin pour aborder une carrière d'acteur. Vous faites aucun souci, tout se passera bien puisque nous sommes là pour vous protéger. Nous vous défendrons, vous n'avez rien à craindre. Une horde d'éléphants m'est passée sur le corps. Oui, les mêmes chaussées de basket, ça ne pardonne pas. Besoin d'aide? Merci. Mickey? Vous n'avez rien alors, ça va? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que vous avez été enlevé, c'est bien ça. Oh, mais c'est n'importe quoi. Je suis juste allé passer quelques jours dans le désert. Je me suis roulé dans la boue et j'ai regardé pousser les fleurs de cactus. Toi? Quoi? Oh, Mickey! Te revoilà. On a cru que t'avais eu un problème. Non, pas du tout. Allons signer les autographes. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Non, la mission est terminée. Ah non, on ne part pas tout de suite. Il me faut au moins une heure de plus pour qu'un des trois tombe amoureux de moi. Waouh, étrange. Depuis quand il a un double menton, Mickey? Ah, je me souviens avoir lu dans un magazine que les membres de Teen Cycle s'habillaient tous en taille 36. Franchement, il y a un truc qui cloche. Enfin, quoi qu'il en soit, considérons que la mission est terminée. On peut rentrer. Pas la tête. Le monde des popstars n'est pas pour nous, Sam, c'est tout. Je sens qu'on a manqué quelque chose dans cette mission et ça me tracasse. Ridicule, non mais regarde-moi ça. Je compte sur toi, David. Tu viens à ma fête samedi prochain, ça va être génial. Je te laisserai même enlever mon pansement avec un peu de chance. D'accord. David la trouve géniale, il sait pas lui dire non. Allez, c'est décidé, moi je vais me faire tatouer quelque chose. Un super motif hyper impressionnant, comme par exemple une fleur, ou plus original, une paire d'espadrilles. Une fleur? Oh. Je crois que j'ai trouvé. Vous vous souvenez que Mickey a prétendu être allé regarder pousser les fleurs de cactus dans le désert? Eh bien, les cactus ne fleuriront pas avant 3 mois. Pourquoi l'un de mes éventuels futurs petits amis nous mentirait? Les Teen Cycle donnent un concert à Londres ce soir avant leur départ pour la Russie. On va peut-être aller y faire un petit saut. C'est quoi cette chanson? Je crois que c'est J'aime la crème, celle qu'ils chantent au rappel. Merci Londres, bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Au secours! Au secours! Les voilà, je les vois. Je suis fragile, ne me brutalisez pas, j'ai un bleu au moindre choc, attention! Au rythme où ils nous en envoient, on pourra pas tous les éviter! T'as raison, vite les aprodios! La coupe 70, ça décoiffe! Il ne perd rien pour attendre celui-là! 2, 3! Allez! On arrive trop tard. Levez de rideau, c'est pour nous. Qu'on a vu.
Lequel? J'étais seule dans l'ascenseur, je vois pas du tout de qui vous voulez parler. On a bien vu quelqu'un vous enlever et vous criez « Je suis fragile, j'ai un bleu au moindre choc, attention !» Vous avez des hallucinations, on vous a fait une bonne blague. Bon, je vous laisse, excusez-moi mais j'ai un avion à prendre pour la Russie. Il m'a vu et il part sans se retourner, dites-moi que je rêve. Regardez ça les filles. Touche pas à cette horreur. J'en prends juste un échantillon pour le scanner. C'est du collagène. C'est avec ça que les vieilles dames se font refaire les lèvres, non? Alors dans ce cas, celle qui en a perdu une pareille quantité devait avoir des lèvres vraiment énormes. Une vieille dame? C'est pas sûr. Regardez ça, un bout de filin métallique. Et dessous, on peut lire Starlight Studio. Il y a des tas de posters des Boys Candy. Oh, ça ferait un super motif de tatouage, non? La tête des trois membres du groupe gravée sur moi. On en reparlera plus tard. Il nous reste plus beaucoup de temps avant le concert pour la paix. C'est qui celui-là? Mais je les connais, ces vêtements. Ce sont ceux que portaient Mickey et DJ au concert. Enfin, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas Mickey et DJ? Bien sûr que si, c'est nous, je suis Mickey. Et moi je suis DJ. Mais vous êtes dans le troisième âge? Vous avez déjà la trentaine, vous croyez qu'on va avaler ça? C'est parce qu'on nous a volé nos visages. Oh, et quoi encore? Comment leur prouver qu'on dit la vérité? Quel est votre plat préféré? Hamburger frites, cheeseburger, fourré au hot dog. Et votre genre de fille? Intelligente, modeste, amusante, aimant les animaux, de préférence les chiens, parce qu'on est allergique aux poils de chat. Ce sont les vrais. Oh, une petite question, votre allergie au chat, elle est vraiment sévère? Parce que j'ai un chaton, mais il est tellement mignon. Clover. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un nous a attrapés, assommés et jetés ici. Je me souviens d'une machine, un engin terrifiant. Voilà de la compagnie. Les visages de Mickey et DJ. Ils ont enlevé Hot Dog. Celui qui a des dreadlocks me rappelle quelqu'un. Non, je rêve. Mais c'est T-Bone des Boys Candy. Je vais lui demander un autographe. Alex, si ce sont les Boys Candy, il y a de fortes chances pour que ce soit eux qui aient volé les visages des Teen Cycle. Oh non, tu rigoles. Les Boys Candy faire ça? Mais ils ont peut-être seulement trouvé. Ils viennent gentiment les rendre. Hey. Peut-être pas, non. Vite, filons. Vous connaissez la durée de vie d'un boys band, jeune fille? Un mois, si vous avez du bol. Ensuite, ils vous jettent dehors. Très intéressantes vos statistiques. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai eu une idée de génie qui va tout changer. Je vous présente le super remodeler 5000 que j'ai créé. Il doit y avoir des aiguilles, je déteste ça. Ah, tu détestes les aiguilles? Et avec quoi on fait les tatouages d'après toi, Alex? On les colle pas au fer à repasser? Un peu de silence! Grâce à cette merveilleuse invention, les Boys Candy vont retrouver la célébrité. Tenez, petite démonstration. Non, pas ça, non! Mon manager a dépensé une fortune pour me faire faire ce visage. Parce que vous croyez pouvoir vous en tirer comme ça? Quand les fans verront vos bourrelets, ils sauront que vous êtes un imposteur. Oh non, pas avec ce bandage hernière. Boys Candy va faire son grand retour sur scène et après le grand concert pour la paix, plus rien ne pourra nous arrêter. T-Bone, moi aussi je voudrais une seconde jeunesse. Vous devriez essayer une bonne lotion hydratante et sans vouloir vous vexer, madame, tant que vous y êtes, faites-vous épiler cette moustache. Je crois que j'ai une meilleure idée. On se reverra au paradis du rock'n'roll. Oh,
C'est pas possible, Thibon a osé me faire ça à moi. T'as vu la peau de mon visage, c'est monstrueux, on dirait un vieux bout de viande séchée. T'inquiète pas, ça va s'arranger avec une bonne crème régénératrice. Les filles, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres. Le laser devrait être assez puissant pour sectionner le filin qui nous ligote. Cette mission, Sam. Je vous rappelle que le sort de la planète dépend du concert. Il doit absolument avoir lieu. Oui, mais justement, nous avons un tout petit problème. Les Teen Cycles qui volent actuellement vers la Russie sont des imposteurs. Il faut que nous allions à Moscou et vite. Alors, il n'y a qu'une solution. Regardez au-dessus de vous. Oh. Merci, Jerry. Je vais les avoir pour moi toute seule. Achète-moi Teen Cycle. On verra ça après concert, Marushka. Bizarre, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah oui, ils dansent de l'autre façon. Mais appliquez-vous, bande d'idiots, c'est quoi ça? Papa, ce ne sont pas eux, on s'est moqué de nous. Pourquoi? Je veux pas savoir, mais s'ils pensent pouvoir ridiculiser impunément Russie, grosse erreur. Moi, interrompre concert et conférence de paix annulée. Les filles, ces imposteurs n'ont pas une forme physique satisfaisante. Un peu d'entraînement leur ferait du bien. Moi, j'opterais pour une bonne petite séance de power yoga chez Kwando. Attendez, je vous montre ours assis et pensif. Ça vous intéresse pas, la danse du bouc capricieux? Comment vous trouvez le tigre sauteur? Et tant que j'y suis, je tiens à vous dire que vous n'êtes plus mon groupe préféré du tout. Sam, Clover, Thibon s'enfuit avec mon visage. Toi, va aider Alex, je m'occupe des deux autres. Oh non. J'ai pas pu m'empêcher de sauter sur l'occasion. Vous avez quelque chose qui appartient, mon ami. Seulement retrouver la célébrité. Plus personne ne s'intéresse au boys band d'hier. Ils étaient décalés par rapport aux autres. Félicitations, les filles. Je viens d'apprendre que le chef d'État russe allait prononcer le discours d'ouverture de la conférence pour la paix dans le monde. Bonsoir, Jerry. Puisque cette mission est terminée, on peut rester pour faire davantage connaissance avec les Teen Cycles? Non, mais je vous ferai dédicacer un poster. David! Non! Comment elle a pu? Je me sens décalée, je suis pas du tout à ma place ici. Tu t'en fiches, t'es avec nous. Mais au fait, j'espère que tu as fini par abandonner l'idée de te faire tatouer. Ah oui, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis. Peu importe l'opinion des autres. Désolée si je casse l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une fête privée, je ne t'ai pas invitée. Oh, mais lâche-moi! C'est pas vrai. Regardez son tatouage. Il s'efface. C'était un faux. T'as pas osé. Tu l'as fait pour la frime. Ouais, allez, viens, on s'en va. C'est nul. Non, mais attendez. Attendez, c'est un petit malentendu. Je suis aussi surprise que vous. Le mode d'emploi disait que l'encre était indélébile. Salut, Alex. Tu as vu ça? Quelle tricheuse. Ah oui, elle exagère. Hein. Dommage, je sais que
t'es un faible pour les tatouages, tu dois être déçu. Moi? Non, ça n'a pas de valeur. Ce n'est fait que pour impressionner les autres. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es naturel. Je t'offre un cappuccinois? Au lait de soja, je suis dans ma phase végétalienne. D'accord, moi aussi. J'essaie d'avoir une alimentation saine. T'as raison. Clover, Sam, vous venez aussi? Après tout, on est seulement copains, non? Oui, bien sûr. On est seulement amis, pour l'instant.